On ouvre ce journal avec la crise entre le Maroc et l'Espagne qui se poursuit. L'ambassadeur du Maroc à Madrid, Karima Ben Yaïch, déplore les faits erronés présentés et les propos inappropriés tenus par le ministre espagnol des Affaires étrangères. Selon la diplomate marocaine, la crise actuelle a dévoilé les véritables arrière-pensées et desseins de certains milieux en Espagne qui persistent à vouloir nuire aux intérêts supérieurs du royaume. Ben Yaïch a affirmé que le respect mutuel et la confiance entre les deux pays auxquels a fait référence le président du gouvernement espagnol sont malheureusement remis en cause. Aujourd'hui, le Maroc en prend acte et agira en conséquence, a-t-elle conclu.